Bonsoir, Amy. Je viens pour pendre la crémaillère. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tout vous accusera. Erreur. En ce moment même, je dîne avec deux citoyens au-dessus de tout soupçon, qui sont prêts à en témoigner devant la cour. Si jamais vous avez l'intention de me violer, il faudra d'abord me tuer. Ah, il faut savoir ce qu'on veut. Non, je vous avais prévenu. Personne ne me dit jamais non. Le vieil homme en prit un. Il mit un nic-nac sur ma main. Avec un nic-nac, pas du bois qui se croyait pas. Ce vieil homme allait bien. Le vieil homme en prit deux. Il mit un nic-nac sur mon genou. Avec un nic-nac, pas du bois qui se croyait pas. Ce vieil homme. Bienvenue à Redwood. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Bienvenue dans l'état de Washington, madame. Votre permis de conduire, je vous prie. Je roulais à moins de 65? C'est exact. Vous alliez même à moins de 60. Alors où est le problème? Annie Walker. Vous êtes drôlement loin de chez vous. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, ma puce. Ne t'inquiète pas. Bonjour, jeune fille. Je crois bien que ta maman a le pied un peu lourd. Vous avez dit que je roulais en dessous de 60? C'est exact. Dans une zone limitée à 30. Quoi? Mais où est le panneau? À une centaine de mètres, juste après Bienvenue à Redwood. Ah, j'ai vu là, mais pas l'autre. Je suis désolée. Combien est-ce que ça va me coûter? $50. Vous continuez votre route? Non, à vrai dire, je dois avoir un entretien avec votre patron pour un poste. Tiens donc. Eh bien, vous ferez d'une pierre deux coups. Vous n'aurez qu'à lui payer la contravention. Bonne journée. Merci. Merci? Il est bien aimable, ce policier. Oui. C'est nous. Oh, je suis si contente de te revoir. Oh, on est ravis d'être ici. Bonjour, Tante Max. Bonjour, Mademoiselle Sarah. Qu'est-ce que tu m'as manqué, toi? Ne regardez pas le bazar. On est tellement débordés à la clinique que je n'ai pas eu le temps de ranger quoi que ce soit. Mais on va dormir où? Ben, toi et Sarah dans le lit et moi sur la banquette. Oh non, je t'en prie, tu ne vas pas... J'adore ma banquette. Est-ce que je n'y ai pas dormi pendant toutes mes études? Ben si, mais je... Il n'y a pas de mais qui tienne. Alors, le voyage s'est bien passé? Oui, on a eu une contravention pour excès de vitesse. C'est vrai? Hé, hey, Miss Fanlabise, tu t'es fait coincer à l'entrée de la ville? Ouais. Bienvenue au club, moi aussi ils m'ont eu. 50 billets. Exactement, 50 billets. Bonjour. Je m'appelle Annie Walker, j'ai rendez-vous avec le shérif. Oui, il vous attend, il est juste là. Merci.
Shérif. Oh, Madame Walker. Rebonjour. Entrez. Dévoile. Bonjour. Je ne me suis pas présentée sous mon meilleur jour en enfreignant la loi. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ah, je voulais juste m'amuser un peu. Vous avez le sens de l'humour, j'espère. Oh, ben, j'espère, oui. Ah, mais asseyez-vous. Alors, j'attends un coup d'œil. 4 ans dans la police de Cincinnati et d'excellentes recommandations. Que venez-vous faire dans un petit patelin comme ici? J'ai une fille de 8 ans. La vie en ville devenait beaucoup trop dure pour nous deux. Mais pourquoi à Redwood? Ma sœur s'y est installée il y a 2 mois. Elle vient de terminer son internat et elle a trouvé un poste à la clinique. Oh, Maxime, celle qui a un si beau sourire. C'est elle. Elle était tellement conquise par cette petite ville que j'ai commencé à en rêver et... Et me voilà. Est-ce qu'il y a un monsieur Walker? Walker est mon nom de jeune fille. J'ai divorcé. Votre père était flic? Oui, il a été tué il y a 15 ans, en service. J'aime beaucoup ce que je lis sur cette demande, je dois dire. J'ai déjà vérifié quelques-unes de vos références, mais je ne sais pas si on va s'entendre. Je peux savoir pourquoi? Vous êtes trop mignonne. Je plaisante, rassurez-vous. Alors, vous croyez pouvoir montrer aux flics des champs ce que voit un flic des villes? Je connais mon métier et j'ai besoin d'un emploi. Et moi, il se trouve que j'ai besoin d'une nouvelle suppléante. Alors, je vous engage. C'est vrai? C'est vrai. Vous savez où vous allez habiter? Ça ne peut être facile pour votre sœur de vous accueillir dans sa boîte à chaussures. C'est une petite ville. Il ne s'y passe rien sans que je la prenne. Vous devriez passer un coup de fil à Pete Dunphy de ma part. Il vous aidera. Je vous remercie beaucoup. C'est très aimable à vous. Oui, oui, on en reparlera quand vous pataugerez dans le purin jusqu'au genou pour dégager un tracteur. Vous savez, la plupart des crimes par ici sont dus aux catastrophes naturelles. Patty, voici ma nouvelle suppléante, Annie Walker. Félicitations et bienvenue. Merci. Pour lui, rendez-vous pour l'uniforme. Si j'en juge par votre taille, l'administration va faire des économies de tissu. Alors à lundi matin, 8h pile. Très bien. Oh, excusez-moi, à qui dois-je payer ça? À moi. C'est les petits avantages du métier. J'espère que je ne vous appelle pas trop tard, monsieur Dunphy. Je viens d'arriver en ville et le shérif m'a dit que vous pourriez m'aider à trouver une maison. Oui, j'attendrai votre coup de fil. Merci. Au revoir. Pourquoi on peut pas rester ici avec tante Max? Il n'y a pas assez de place, chérie. Ne t'inquiète pas, on trouvera une maison pas loin. Je peux voir ton revolver? D'accord. Un tout petit coup d'œil, hein. C'est la dernière fois. Le règlement est le même qu'à Cincinnati. C'est un 38 comme celui de grand-père. C'est l'arme de service standard. Allez, Trésor, va faire ta toilette, puis reviens me dire bonsoir. C'est vous la nouvelle suppléante? Annie Walker. Mark Thatcher, je suis le procureur du comté. Enchanté. Eh bien, si jamais vous avez besoin d'un conseil juridique ou juste d'un petit café, n'hésitez pas. D'accord, merci. De rien. Au revoir, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ah, salut, moi c'est Howard. Et puis lui c'est Rich. Annie Walker. Bonjour, shérif. Appelez-moi Dave. Donc pourquoi tu ne rends pas aussi bien uniforme, hein? Prête à l'action? Oui. Et si on l'initie au comité d'accueil, messieurs? Bon, allez, je donne ma langue au chat. C'est quoi, le comité d'accueil? Oh, d'après ce qu'on m'a dit, vous en avez déjà fait les frais en débarquant en ville. Quoi, ma contredanse? Exactement. On chope les Formule 1 dès qu'on envoie le capot. Je suis sûr que ça se fait pas dans les grandes villes, ça. Si, mais ce sont des patrouilles spéciales qui s'en occupent. Oh, ici, c'est nous, les patrouilles spéciales. On fait le boulot des contractuels aussi. En gros, on représente la loi sous toutes ses formes. Il y a beaucoup de crimes? Plus qu'on en voudrait.
On est tout près de la frontière canadienne, du coup, il y a plein de contrebandiers. De drogue ? Ouf, drogue, armes. Cigarettes aussi, ça marche bien à cause de la différence au niveau des taxes. Vous faites pas d'illusions, vous aurez pas le temps de roupiller. Vous restez en planque 5 heures et puis vous revenez au poste. Et surtout, vous laissez personne vous raconter des salades. Dave a horreur des petites faveurs, sauf si elles viennent de lui. Et lui dites pas que je vous ai dit ça. Et puis vous restez garé là et vous serez bien caché par les arbres. Allez, salut. Salut. Calme par ici. Oui, c'est une petite ville. Ouais. Je peux utiliser n'importe quel bureau. Ça ne gênera pas du tout Howard, mais Rich est jaloux de son territoire. Prenez l'autre, c'est plus sûr. Merci. Mais lâchez-moi, mon sang. Allez, avance. J'ai rien fait, je vous dis. Mais tu vas la boucler, oui. Moi, la paix. La ferme. Allez, entre là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Agression sexuelle avec coups et blessures. Sa propre fille. Je l'ai surpris en flagrant délit, mais il continue à nier en bloc. Annie. Saloperie de... J'ai besoin de vous. Elle refuse de me parler. Vous avez l'expérience de ce genre de situation? Oui. Faites pour le mieux. D'accord. Elle s'appelle comment? Christy Brandon. Christy, écoute, c'est fini. Tu n'as plus rien à craindre, tu entends? Je m'appelle Annie. Je suis ici pour t'aider. Il n'y a plus aucune raison que tu aies peur. Personne ne te fera de mal. Je te promets que je ne laisserai personne te faire de mal. C'est terminé, c'est fini. C'est fini, chérie. Vas-y, pleure autant que tu voudras. C'est fini, chérie. C'est fini, maintenant. Va faire un tour. Quoi? Elle m'a dit ce qu'il lui a fait. Je l'ai envoyée à la clinique pour qu'on s'occupe d'elle. Oui, je sais, je n'aurais pas dû m'énerver. Navré que vous ayez vu ça. C'est dur de voir cette jeune fille et de garder son calme. J'ai déjà vu des flics craquer. Vous pourriez ruiner ma carrière. Mais je n'ai rien vu. J'apprécie le geste. De rien.
Et vous aussi, je vous apprécie. Après la Grange Rouge et prenez à gauche. Merci. Excusez-moi. Je peux vous parler? Bien sûr. Ce qui s'est passé hier n'aurait pas dû se passer. Et ça ne doit pas se reproduire. Nous étions émus tous les deux. Et vous savez que je suis marié. Même célibataire. On ne doit pas avoir ce genre de relation dans le travail. Donc, si je n'étais pas marié, et si on ne travaillait pas ensemble... Vous êtes un homme bien, Dave. Mais... Non. Bon, voilà qui est clair. Au fait, j'ai remarqué que vous n'avez donné que 9 contredanses en tout au comité d'accueil hier. Oui. C'est beaucoup plus bas que la moyenne. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été trop gentille? Non. Je voulais juste vérifier. Bonjour. Bonjour. Annie Walker. Pete Dunphy. Enchantée. Moi de même. Vous avez trouvé? Oh, un peu compliqué, mais ce n'est pas pour me déplaire. Tant mieux. Entrez. Oh. Wow. Oui. C'est superbe. Oui. Elle est située sur un hectare de terrain et il y a une dépendance là-bas. Ça peut servir de bureau ou de chambre d'amis. Et les meubles sont inclus. Elle n'a seulement été saisie que depuis 3 jours. Donc il faut faire vite. Très vite. À combien est-elle? 180 000. Il y a moyen de discuter? Dans un mois, peut-être, si elle n'est pas vendue. Oh, ça m'étonnerait. Bon, je vais aller droit au but. Mes économies s'élèvent en tout et pour tout à 21 000 dollars. Ça suffira? Ça dépend. Sur 2 salaires? Non. Vous pourriez parler au directeur de la banque? C'est moi le directeur de la banque. Oh. Je fais ça pour rendre service à Dave. Je devrais regarder dans les locations. Oh. Attendez, il ne faut pas abandonner si vite. Je sens que vous la voulez, alors voyons ce qu'on peut tirer des chiffres et on avisera. D'accord. Parfait. Bon, bah, c'est des trucs qui peuvent attendre, c'est pas urgent. Oui. Ouais. S'il vous plaît, un peu de silence. Tout le monde bosse ce soir. Le shérif d'Elmwood vient d'appeler, les revendeurs de cam vont nous rendre visite. L'échange doit se faire au mât de Branco. Il faut quelqu'un à l'intérieur. Annie,
Vous voulez vous mettre dans le bain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jouer les minettes comme couverture. D'accord. Allez, messieurs et mesdames, ce soir, on fait la fête. Ah ouais. Bravo. La fête. J'ai dit oui trop vite. Bah, vous n'aviez pas vraiment le choix, je crois. Ben, ça ne nous regarde pas, la drogue. Je vous l'ai dit, ici, on fait même le ménage. Annie, Rich me dit que les branches qui dissimulaient le panneau de limitation de vitesse ont été coupées. Vous êtes au courant? On pouvait à peine le distinguer. Et vous y avez remédié? Oui. Je vous signale que ces contraventions arrondissent les fins de mois de tous les hommes ici présents. Étant donné que le panneau était pratiquement invisible, j'ai pensé que les automobilistes pourraient les contester facilement. Contester une contravention? Dans mon comté? Je vous présente un flic de la grande ville, messieurs. Rendons-lui justice, elle est honnête au moins. Rich, trouve un autre endroit pour le panneau, un endroit comme je les aime. Et ne reprenez jamais ce genre d'initiative, c'est clair? Quand il aboie, c'est très bon signe. Il va pas mordre. Je suis prête. Tu t'es brossé les dents? D'accord. Attends une minute, juste une minute. T'as trouvé une maison alors? Non, mais j'y travaille. Je veux qu'on ait une piscine. Oh, je ferai de mon mieux. Ça y est. Un câlin. Bisous. Dors bien. Oh, désolé. J'aurais dû vous prévenir, le quai n'est pas très solide. Mais on ne l'a jamais réparé. Parce qu'il y a très peu de femmes qui se servent de cette pièce. Ça devrait être plus facile à cacher que votre 38. Alors on va faire un échange pour ce soir. D'accord. Voilà. Elle vient d'arriver. Maman! Chasse gardée, compris, Rich? Alors tu la fermes. Annie, dites-moi quelque chose. Salut. C'est parfait. Nos passeurs ne sont pas encore arrivés. On ne sait pas si l'argent est déjà là. Allez-y faire un tour et jetez un coup d'œil. Et surtout, ne buvez pas si vous ne supportez pas l'alcool. Salut. Qu'est-ce que je vous sers comme poison? Ou pression, n'importe laquelle. D'accord, en toi, c'est pas la peine de flipper, c'est une promenade de santé, je te dis. Merci. Les cow-boys ont débarqué. Il y a deux chevelus qui vont entrer dans le bar, Annie. Assurez-vous qu'ils ont la cam avant d'agir. Salut les gars. Ah ouais, je commence à m'inquiéter. Alors ça baigne, vous l'avez? Tu verras le comptier.
Ils discutent avec les deux types. Ils sont dans la salle de fond. Allez-y, les gars. Ils ont fait l'échange. Mais qu'est-ce que... Marie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un troisième type enfermé dans les toilettes. Je ne l'avais pas vu. Elle s'en est très bien sortie. Elle s'en est même très très bien sortie. Oui, je vois ça. Est-ce que je peux te dire deux mots? Ah là là. Mais écoute, je te jure que je savais pas du tout qu'il se passait ce genre de truc dans mon bar. Tu sais bien que je t'aurais prévenu tout de suite. Dale, arrête de pleurnicher et porte-nous des bières. Oui. C'est la maison qui rince. Ben bien sûr, autant que tu veux. Allez-y les gars, c'est ma tournée. Et Dale? Oui. Oui. Dis-leur de jouer un morceau lent. Oui. Tout de suite. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. J'ai besoin de quelque chose de bien frais. Vous avez fait du beau boulot ce soir. Merci. J'ai l'impression que vous avez déjà fait des opérations en civil. Quelquefois. Dites-moi, si tous les deux on essayait de la continuer cette petite opération en civil. Il est tard, David, il faut que je rentre. Non mais c'est pas grave, vous pouvez être en retard demain, je ne vous virerai pas. Non, il faut que je rentre. J'ai horreur qu'on me largue comme ça. Si je dis non, c'est que c'est non, Dave. J'ai aussi horreur qu'on me dise non. Arrêtez, arrêtez! Non! Tu ne m'en as pas parlé avant. Parce que je ne croyais pas que ça deviendrait un problème. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Bien, il va falloir qu'il comprenne qu'il ne m'intéresse pas. Et s'il ne comprend pas? Je démissionne. Toi? J'ignorais que tu étais du genre à baisser les bras. Il faut bien que l'un de nous deux cède. Et pourquoi ça devrait être toi? Tu as entendu parler d'harcèlement sexuel. Les femmes portent plainte de nos jours, je te signale. Je suis flic depuis assez longtemps. Et je sais que ça fait partie du jeu. Écoute, c'est un boulot de macho. Alors c'est ça l'excuse? Non, non, ce n'est pas une excuse. Et d'une certaine façon, c'est un type très bien. Je ne vais pas mettre en péril sa famille et sa carrière à cause d'avances stupides. C'est lui qui fait des avances stupides, donc c'est lui qui met en péril sa carrière et sa famille. À t'entendre, on croirait que c'est facile. Mais qui t'a dit que la vie était facile? Et d'abord, pourquoi tu te mets en colère après moi? Tu me demandes mon avis ou tu as juste envie de râler? J'ai juste envie de râler. C'est épouvantable. Ça ne te regarde pas si j'étais avec elle hier soir ou non. Tu as envie d'elle? Mais pourquoi tu piques ta criche tout à coup? T'as envie d'elle, hein? Mais qu'est-ce que t'as ça envie d'elle? Écoute, c'est débile, c'est... Tu n'es jamais satisfait, elle n'a jamais appelé. C'est manipulé, ça me regarde. Fiche moi la paix. J'ai des sentiments, moi aussi, je te signale. Quoi? Oh, c'est pas le moment. Les histoires de bonnes femmes, j'ai ma dose pour ce matin.
Écoutez, si c'est à propos d'hier soir, j'avais trop bu, d'accord, alors je m'excuse et le sujet est clos. C'est à propos de Fred Brandon. Mais c'était même pas votre enquête. C'est la mienne, vous m'aviez confié Christy, je viens de les voir ensemble. Mais je n'ai jamais demandé à l'administration de lui redonner sa fille. Et comment l'administration peut-elle faire une chose pareille avec les accusations qui pèsent contre lui? Il a trop peur pour témoigner. Howard n'a qu'à témoigner, il a vu ce qui s'est passé. Il pourrait. Si je le laissais faire. Vous avez vu le visage de Brandon? Comment je peux expliquer ça devant la cour? Mais vous vous rendez compte de ce qui va arriver à cet enfant? Mais enfin, mais pour qu'est-ce que vous vous prenez? Ma conscience, hein, c'est ça? Fred Brandon sait que si jamais il touche à sa fille, je le... Il le sait. Croyez-moi, elle ne craint rien. C'est ça la justice, hein? Elle ne craint rien, je vous dis. C'est mieux que toutes les formes de justice qui existent dans ce pays, alors laissez tomber. Finissez sans moi. Entendu. Allô? Pete? Oui, c'est Dave. Salut, Dave. Que puis-je faire pour toi? Patty? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai dit quelque chose qui vous a offensé? Tout allait mieux avant votre arrivée. Mieux? J'ignore tout de votre situation, mais s'il s'agit de Dave, il ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Moi, si. Juste au cas où il y aurait quelque chose qui ne me regarderait pas du tout. Vous savez, je ne suis pas si méchante que ça quand on me connaît. Voilà votre pull. Merci, vous êtes bien aimable, jeune homme. Eh bien, maintenant, rentrez chez vous. Ah. Où est Dave? Au premier, il est en rendez-vous. Merci. Howard? Ouais. On a bien confisqué deux sacoches de drogue hier soir. Hein? Bien dans la salle des pièces à conviction, il ne reste plus qu'une. Ah, eh bien, peut-être que Dave l'a rangée ailleurs, c'est bien possible. T'as qu'à lui demander. Bonjour. Oh. Vous avez une minute? S'il vous plaît, dites-moi que c'est faisable. C'est faisable? Oh. Oui. Oh. Voyons voir ça. Là, vous avez les économies de toute une vie. Dites-moi que la maison n'a pas de vis caché. Elle n'a aucun vis caché. Oh, génial. Quand je peux emménager? Quand vous voulez, je vais vous donner les clés. J'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir aidé. Oh, je suis ravi que tout se soit bien arrangé. Est-ce que je peux vous inviter à dîner? À quoi, c'est trop direct? Non. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, d'accord. Avec plaisir. Annie, vous avez votre maison? Je vous l'ai dit, il ne se passe rien dans cette ville sans que je la prenne. N'est-ce pas, Pete? Oui. Bon. Faut que je file. Merci. Au revoir. Oh. À plus, Pete. Je voulais vous demander, vous savez ce qui est arrivé à la deuxième sacoche qu'on a confisquée hier? Je l'ai prise. Vous l'avez prise? Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Parce que je voulais... De la cocaïne? Non, c'est la sacoche qui me plaisait beaucoup. Et vous avez vu de la drogue dedans? Elle faisait partie de l'échange. Oui, mais est-ce que vous avez vu s'il y avait de la cam dedans? Je n'ai pas regardé. Moi, si. C'était un attrape-nigaud.
Ça arrive tout le temps. Ils mettent de la drogue dans un sac et pas dans l'autre. Comme ça, s'ils sont poursuivis, ils en balancent un par la fenêtre. Ça marche à chaque fois avec les flics des villes. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que vous êtes un flic des villes. J'ai écrit qu'il y avait deux sacs dans mon rapport. Eh bien, changez votre rapport. Je n'ai pas le droit de le faire. Vous voulez que je me prive d'une belle sacoche en parfait état sans aucune raison? Avec ou sans drogue, c'est une pièce à conviction. Je trouve que vous avez vraiment un côté dame de fer. Pas étonnant que vous soyez divorcée. Les copains maintenant. J'ai juste pris une cartouche. Regarde dans mon sac. Salut Dave, alors ça va? Pas de problème, la livraison était à l'heure comme d'habitude. C'est réglé comme du papier à musique. Tant mieux. Bon, allez, à la prochaine. Salut. Ok, ciao. Eh bien, Mike a passé 3 ans à chercher le métier idéal pendant que je subvenais aux besoins de la famille. Et un jour, j'ai senti le parfum d'une autre femme sur lui. Et je me suis rendu compte que c'était moi, son métier. Il me travaillait au corps depuis des années. Alors je l'ai jeté dehors. Vous l'avez renvoyé? Oui, c'est ça, je l'ai renvoyé. Et vous, vous avez déjà renvoyé quelqu'un? Sentimentalement? Non, mais je n'ai jamais fait le voyage nuptial. J'ai failli une fois, mais ça ne s'est pas fait. Alors j'ai sauté à pieds joints sur le premier poste hors de Seattle et je suis ici depuis 4 ans. Et ça vous plaît? Oui, la plupart du temps. Je peux vous poser une question indiscrète? Si ça ne me regarde pas, dites-le tout de suite, je comprendrai. Est-ce que vous et Dave... Non. Ah. Pas question. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il a beaucoup insisté pour que je vous obtienne cette maison. Il m'a affirmé que vous aviez un grand avenir dans les forces de police et que vous n'auriez aucun mal à rembourser votre emprunt. Eh bien, il faudra que je le remercie. Mais c'est mon patron. Et pourquoi est-ce que vous pensiez ça? Eh bien, disons qu'il a une certaine réputation avec les femmes. J'en fais mon affaire. Ne le sous-estimez pas. J'ai déjà vu pire. Il n'y a pas que le côté sexuel, Annie. Il joue à un petit jeu avec tout le monde. Il adore manipuler les gens. Vous avez triché, c'est moi qui devais vous inviter. Désolé, je suis de la vieille école. Les femmes ne règlent jamais l'addition. Oh. Pas un mot, vous ne bougez pas. Il a un pistolet dans le dos. Vous retournez pas. Sinon, je le transforme en passoire. Allez, démarre! Faites ce qu'il vous dit, tout se passera bien. Démarre! D'accord. Allez, mène-toi! Allez, allez, allez! Descendez de la bagnole. Et secoue-toi. Videz vos poches. Portefeuille, pognon. Voilà. Allez. C'est tout ce que j'ai. Et maintenant, à genoux. Tous les deux. Marchez à quatre pattes. Allez, allez. On traîne pas, on s'active. Plus vite que ça. Pan.
Ne vous retournez pas. Oui, c'est ça, Howard. Une Chevrolet 78-79, couleur claire. J'ai déjà contacté les autres shérifs. Concentrez-vous sur les routes secondaires, d'accord? Personne n'a le droit de faire ça dans mon comté. Ils ont votre plaque? Elle était dans mon sac. Et votre arme? Je ne l'avais pas prise. Je croyais que c'était une ville bien tranquille. Oh, inutile d'être sarcastique, d'accord? Vous savez, on peut très bien se balader en voiture d'un état à l'autre. On ne peut pas y faire grand-chose. Ouais. Pete, on dirait que tu vas tomber dans les vapes. Rich est encore là, il va te ramener. Je vais avec lui. Non. Rich repassera vous chercher, j'ai d'autres questions à vous poser. Allez, debout, je te raccompagne jusqu'à la porte. Merci. Tu as dû avoir une sacrée pétoche ce soir. Oui. Non, je ne voudrais surtout pas que ça t'arrive encore une fois. Alors il vaudrait mieux pour tout le monde que tu ne la vois plus, que tu ne lui parles plus, que tu ne t'approches plus d'elle. Tu vois, c'est clair. Oui. Bon. Salut. Vous savez, j'ai poussé à la roue pour que vous ayez cette maison. Pete vous l'a dit? Oui, et je vous en remercie. Vous avez un bel avenir devant vous ici. Je suis vraiment très fatiguée. Alors pourquoi sortir avec Pete d'une fille? Je vous demande pardon. Vous avez besoin d'un vrai mec dans votre vie. Pas d'une espèce de lavette qui se met à quatre pattes chaque fois qu'il faut vous protéger. Vous l'avez vu, il tremblait comme un veau, comme un abattoir. Un peu plus, il l'aurait fait dans son froc. Je refuse d'écouter ça. Je vous en prie, allez. Oh, lâchez-moi. Pourquoi vous piquez votre crise comme ça? Il avait un pistolet dans le dos, je vous le rappelle. Ça suffit à flanquer la frousse à tout le monde, même à vous. Vous voulez que je vous dise? Ça ne vous regarde strictement pas, mais sachez que je ne sors pas avec Pete. On a dîné ensemble, point final. Et je vous signale que je n'ai pas besoin d'un mec dans ma vie, je n'ai pas besoin de protection. Alors pourquoi vous mettre dans un état pareil? Salut. Tu as de la chance, ils ont juste piqué le liquide. Ils ont laissé tout le reste. Et le portefeuille de Pete? On l'a pas trouvé. Ce gamin, c'est le dernier des crétins. Il se balade tranquille dans un véhicule volé, avec ton sac planqué sous le siège, comme si personne n'allait le remarquer. Où il est? Et au premier, Dave l'interroge. Tiens, garde-moi ça, tu veux. Rich, téléphone. Sur la 2. Je vous jure, elle était derrière les buissons. Les clés de contact étaient dessus. Je voulais juste faire un tour. Et j'ai même pas rayé la peinture. Je mérite pas d'être passé à tabac, j'ai rien fait. Passé à tabac? Dis donc, René, tu ne vas pas commencer à raconter des mensonges sur moi, hein? Non, si tu es maladroit ou beurré et que tu rates une marche, il faut assumer les conséquences. Mais j'ai pas raté de marche! La ferme! Maintenant, je veux connaître le nom de l'autre type. Mais il y avait pas d'autre... Fais gaffe! Je crois qu'il n'y est pour rien. Vous permettez, j'interroge un suspect. Je pense qu'il est innocent. Comment vous pouvez affirmer qu'il est innocent? Vous m'avez dit qu'il portait des masques. Je sais quel gabarit ils avaient. Dave? La version du petit a été confirmée.
Il était bien une soirée quand Annie et Pete se sont fait braquer. Mais il conduisait quand même un véhicule volé. Fais-lui un brin de toilette et boucle-le pour Rosel. Entendu. Écoutez-moi. Arrêtez immédiatement de fourrer votre nez dans mes affaires, c'est clair. Ne me faites surtout pas regretter de vous avoir engagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cognée sur la table de nuit. Annie, faites votre boulot et laissez-la faire le sien. Vous êtes absolument sûr de vos conclusions? Deux prisonniers, le visage ensanglanté. Dont un avec le nez cassé. Qu'est-ce que vous voulez conclure d'autre? Bon, je sais bien que Dave a un sacré caractère. J'ai joué au football avec lui. Vous auriez dû le voir en ce temps-là. Il a mis de l'eau dans son vin. Écoutez, il ne s'agit pas de sport, là. Il représente la loi. Oui, je comprends. Mais ici, la loi a tendance à être un peu plus personnalisée. Pourquoi défendez-vous son comportement? Je ne vous permets pas. Vous outrepassez vos droits. Excusez-moi. Ce qu'il y a, c'est que ce garçon qui est en cellule ne méritait pas d'être passé à tabac. Je vais en discuter avec Dave. En discuter? Je veux entendre sa version. Il y a deux versions, non? Ça devait rester confidentiel. Je ne mentionnerai pas votre nom. Ce ne sera pas utile. Il saura que c'est moi. Vous préférez qu'on en reste là? Non. Bonjour, petit cerf. Moi, je m'appelle Sarah. Tu crois vraiment qu'il va te renvoyer? Oh, je m'en fiche, je te jure. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire comme boulot? J'en sais rien. Je ne connais que le métier de flic. Autrement dit, tu vas devoir partir. Ouais. Mais j'aime bien que tu habites tout près de moi. Je sais. Moi aussi. Regarde-la. C'est comme ça que tout devrait être, tu vois? Paisible. Ouais, paisible. Bonjour. Annie? Ricardo, va prendre un café. Patty, tu veux bien aller me chercher des œufs au bacon? Tu sais comme je les aime. Qu'est-ce que tu attends? Oui, mais le téléphone. Eh bien, branche le répondeur et secoue-toi. Asseyez-vous. Je suis virée. Asseyez-vous. Vous n'êtes vraiment pas taillé pour le métier de flic, hein? Non, pas comme vous le faites. Écoutez, je suis virée, dites-le-moi. Vous n'êtes pas virée. Vous savez que j'ai vu le procureur. Est-ce que vous connaissez la principale qualité pour commander, Annie? Il faut être sur le qui-vive. C'est grâce à ça que j'ai eu ce poste et que je le garderai. Parce que rien ne m'échappe et parce que personne ne me dit non. Ni le procureur du comté, ni le maire, et surtout, pas vous. Alors je ne vais pas vous flanquer à la porte. Parce que vous m'amusez. Et un jour...
Un jour, vous direz oui. Non, arrêtez. Allons, juste un petit baiser. Fichez-moi la paix. Il faut que je vous avoue un truc sur moi, Annie. J'adore qu'on me résiste. Je vous remercie. D'accord, au revoir. Est-ce que je peux entrer? Oui. J'aurais dû prendre rendez-vous, mais je crois que je n'aurais pas eu beaucoup de succès. Bien sûr, j'aurais dû vous téléphoner, mais on a été débordés. Est-ce que ça va? Non. J'ai besoin d'un petit conseil. Si je devais démissionner, où est-ce que j'en serais avec la maison? Si vous interrompiez vos remboursements, on serait forcé de saisir. Je récupérerais ma mise de fonds? Ça dépend du prix qu'on pourrait tirer de la maison. Comment ça, du prix? Elle coûtait 180 000 dollars. Je doute qu'il y ait un marché encore au prix que vous avez payé. Ça veut dire que j'ai payé trop cher? Non, ça veut seulement dire que les acheteurs potentiels ne sont peut-être plus là. Mais pourquoi? Eh bien, c'est comme ça que le marché fonctionne ici. Tant que je suis couverte de dettes, parce que Dave a été gentil avec moi. Je vous remercie beaucoup, pour rien. C'est douloureux, mais regarde en l'air, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Max. Je reste à côté. Elle a demandé qu'on t'appelle. Comment elle va? Eh bien, elle a deux côtes cassées, apparemment. Un voisin l'a trouvée sur la route, il l'a amenée ici. Elle a été violée? Oui. Je vais faire mon rapport. Christy? C'est papa qui a fait ça. J'ai essayé de me débattre, mais il était trop fort. Il avait bu? Oui, beaucoup. Il a dit que c'est de ma faute s'il s'est fait casser le nez. Il est chez vous? Peut-être. Il y était quand je suis partie. Tu es en sécurité maintenant. Ma sœur va s'occuper de toi. Tu peux la garder, 2-3 jours? Tu sais bien, on n'a que 4 lits ici. Elle n'a nulle part où aller. Il faut gagner le plus de temps possible. Ne laisse personne l'approcher, d'accord? En particulier son père. Où vas-tu? Je vais essayer de lui sauver la vie, justement. Je vais demander à une infirmière de nettoyer tout ça. Mais elle a menti, faites-la venir! Non, elle n'a pas menti! Faites-la venir ici pour qu'elle me le dise en face, si vous verrez! Christy est à l'hôpital, tu t'occupes de lui! Oh, Dieu! Pense! Je croyais qu'elle n'avait rien à craindre! Allez lui dire à l'hôpital! Mais enfin, Annie, personne ne parle à Dave de cette façon-là! Je parie que je vais savoir pourquoi très vite. Thank you.
Shérif? Oui? Suppléante Walker. Entrez. Oh, je suis désolé. Vous avez ouvert plus vite que je ne le pensais. Suppléante Walker? Shérif? Que de cérémonie, dites donc. J'ai vu que vous aviez rapporté l'autre sacoche. Ah, j'aurais préféré la garder, mais c'est le règlement. Et vous avez mis la moitié de la drogue dedans? Oui, ça me semblait un peu débile de remettre à 5-8. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans avant? De la terre. Pourquoi ne l'avoir pas rendu comme il était? Parce que je n'ai pas réussi à trouver le même genre de terre. D'autres questions? Non. Alors, vous pensez à démissionner? Vous savez ce qu'il en est avec la maison. Je ne peux pas me le permettre. Eh, je suis au courant. Mais je n'ai pas l'intention de vous amuser. Et si c'est ce que vous attendez de moi, alors virez-moi tout de suite. Et tout ce que vous faites m'amuse profondément. Ça fait partie de notre petite danse, Annie. Je sais que vous lui avez parlé. Il connaît ma version, je mérite de connaître la sienne. Je suis déjà très en retard. Et vous ne pouvez pas me parler en marchant? Ce n'est pas le genre de choses dont on discute en public. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Suffisamment pour mettre en doute vos accusations. Alors sa parole est toute puissante et la mienne ne vaut rien. À vrai dire, suppléante, au vu des circonstances, votre parole est suspecte. Quelles circonstances? Excusez-moi, quelles circonstances? Vos sentiments amoureux envers lui. Quoi? Si on en croit Dave, vous avez persisté à lui faire des avances. Et il a dû vous rembarrer. Et puisque c'est un vieux copain de football, vous pensez que c'est vrai, hein? La population du comté l'a déjà élu à ce poste 5 fois. La population lui fait confiance et moi, je lui fais confiance. Vous avez de la chance qu'il vous garde. Justement, pourquoi est-ce qu'il ne me renvoie pas? Vous êtes mère célibataire. Vous avez une fille et une maison à payer. Je trouve que Dave est plutôt généreux. Howard? Hein? Relâche Brandon. Tu veux que je relâche cette ordure? Il a payé sa caution. On l'a pas encore inculpé. Tu es sourd? Bon, bon, puisque tu le dis. Va me chercher un café. Il a raconté toute une histoire pour que je n'ai aucun recours contre lui, ni pour harcèlement sexuel, ni pour coups et blessures. Personne dans cette ville ne croira un seul mot de ce que je pourrais dire. Ça commence à devenir carrément inquiétant. Ça vaut la peine de subir tout ça pour 20 000 dollars? J'ai travaillé très dur pour les mettre de côté. Oui, mais j'ai l'impression qu'il continue à te faire travailler. Écoute, Max, je n'ai pas des revenus de médecin qui vont me tomber du ciel. Mon avenir financier ne sera jamais plus rose qu'il ne l'est maintenant. Excuse-moi, ce n'est pas une pierre dans ton jardin et ce n'est pas histoire de me plaindre, c'est juste une réalité à laquelle je dois faire face. Comment elle va? Ses côtes lui font un peu mal. Je n'ai pas eu le courage de lui dire que son père a téléphoné. Il l'a appelé de la prison? Non, ils l'ont relâché. Tu n'étais pas au courant? Oh, c'est pas vrai. Salut. Ah, je t'ai pas entendu arriver. Je sais. Tu sais ce que c'est un poids mort, Fred? Hein? Ben... C'est une personne qui t'empêche d'aller de l'avant. Qui t'entraîne vers le fond, qui menace ta position. Ben non, tu vas pas dire que je suis un poids mort. Oh, que si. Tu es un fumier qui se conduit comme une ordure avec sa fille. Ce qui te rend susceptible d'être arrêté. Et qui fait de toi un indique en puissance. Alors, tu me connais. Je te balancerai jamais, voyons. Après ce soir, c'est certain.
Qui est-ce? C'est moi, Patty. Je n'ai nulle part où aller. C'est Dave qui a fait ça. Oui. Est-ce que ça lui arrive souvent? La dernière fois, ça a remonté à 2 ans. Patty, vous aviez un cocard la semaine dernière. Oui, mais avant ça, ça faisait en moins 2 ans. Je le fréquente depuis 10 ans, alors c'est raisonnable comme moyenne, non? Non, une fois, c'est beaucoup trop déjà. Il était saoul. Je ne sais pas si c'était pour ça. Quand il est rentré, il était fou furieux, il fallait qu'il frappe quelqu'un. J'étais là. C'est dur de savoir ce qui va tout déclencher. Parfois, c'est à cause de moi, parce que j'ai dit une bêtise, ou que je porte pas ce qu'il faut. Et du coup, il explose. Et il veut surtout pas que je vous parle. Et vous êtes quand même là. Oui. Alors pourquoi vous êtes venue? Je sais rien. Peut-être parce que je ne peux compter sur personne en ville. Ils ont tous peur, une paire bleue. Mais vous semblez pas avoir peur de lui. Parce que je suis bête, peut-être. Il ne faut pas dire une chose pareille. Moi, je suis vraiment bête. Ça fait 10 ans que je suis avec lui. Et ça fait déjà un bout de temps que je ne crois plus qu'un jour il va quitter sa femme pour m'épouser. Regardez-moi. Je suis encore là à éponger mes yeux et mon nez. Sa femme sait que vous êtes sa maîtresse. Ruth, elle voit que ce qu'elle a envie de voir. C'est comme ça qu'elle arrive à survivre. Même si elle nous surprenait au lit, elle ne voudrait pas en croire ses yeux. Est-ce que vous pourriez le quitter? J'en meurs d'envie depuis des années. Mais personne n'a le droit de quitter Dave. Je pourrais vous en dire des trucs. Quel genre de trucs? Moi, vous en saurez mieux, ça vaudra. Ça vous attirerait des ennuis, laissez tomber. Patty, Christy Brandon a été violée parce que Dave n'a pas fait correctement son travail. Un jeune garçon innocent a été passé à tabac. Alors même si on ne sait rien, on a quand même des ennuis. Vous n'avez aucune idée des pouvoirs qu'il a. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Pensez vos blessures en attendant que ça recommence? Non. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Je veux me sentir libre. Mais je veux pas qu'il aille en prison pour autant. D'accord. Alors, on n'a qu'à commencer par ce qu'il nous a fait à nous. C'est du harcèlement sexuel. Si on se serre les coudes, tout le monde sera bien obligé de nous croire. Si jamais il perd son emploi, il perd son pouvoir et du coup, vous serez libre. Vous voulez voir un avocat? Oui. Il m'enverrait tout de suite à l'hôpital. Non, dès qu'il verra qu'on a entamé des poursuites, il n'osera pas toucher un seul de nos cheveux. Alors en attendant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous rencontrer en secret et de ne pas être trop copines au bureau. Aucun avocat ne voudra s'occuper de cette affaire. Pas ici, mais à Seattle, oui. Vous savez comment on va nous traiter devant la cour? Je subirai le même sort. Mais j'ai eu une liaison pendant 10 ans avec un homme marié. Mais enfin, c'était votre patron. Il a abusé de son pouvoir. Tout ce que je veux savoir, c'est si je peux compter sur vous. Je peux. Quand voulez-vous faire ça? Tout de suite, avant que vos bleus n'aient le temps de disparaître. Voilà, vous renvoyez le formulaire, c'est tout. Salut, Dave. Bonjour, patron. Bonjour. Oui, Patty? Elle a pris sa matinée, elle a rendez-vous chez le dentiste. Non, de pas parler? Chez Balis? Non, un spécialiste à Seattle. Bah, avec le score, ils étaient fichus, de toute façon. Oui, Annie? Ah, c'est son jour de congé.
Howard? Ouais. Dis à Rich de m'appeler. Tout de suite. Ça y est, ça devrait suffire. Entendu. Je tiens tout de suite à vous prévenir, nous n'avons pas un centime à la banque et dès que cette affaire sera connue, nous perdrons sans doute notre emploi. C'est pour ça que vous êtes venu me voir, non? Non, on nous a dit que vous étiez la meilleure. Ah, merci pour le compliment, mais je sais la réputation qu'on m'a faite. Je ne résiste pas aux causes justes. Et ça, c'est une cause juste. Cet individu m'a l'air particulièrement détestable. Je voudrais que vous pensiez à des témoins éventuels des mauvais traitements qu'il vous a infligés. Et s'il vous a écrit quoi que ce soit que vous ayez gardé, faites-le-moi parvenir. J'ai conservé toutes les cartes qu'il m'a écrites. Mais il est plutôt conventionnel sur le papier. Ça pourrait être pris comme venant d'un patron plein d'égards pour sa secrétaire. Laissez-moi en être juge. Aucun de ses suppléants n'osera témoigner contre lui, quoi qu'ils aient pu voir. Eh bien, donnez-moi le plus de noms possible. Malgré tout, il arrive encore aux gens de dire la vérité devant la cour. Et ces abus, est-ce qu'ils sont purement d'ordre sexuel ou est-ce que ça concerne également son travail? Quoi? J'ai promis à Patty que nous n'aborderions pas ce sujet. Vous redoutez des représailles? Je ne veux pas en parler. Et s'il y a des preuves de comportement abusif à d'autres niveaux, ça ne peut être que positif. Non. Rich a appelé. Il n'a trouvé aucune trace d'Annie et la voiture de Patty est garée sur la place du marché. Et il l'a vue nulle part ailleurs. Chez le dentiste? Je parie qu'il ne pourrait pas t'arracher les dents aussi vite que moi. Allez, 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 tu vas me faire un petit rapport de tes aventures dans la grande ville. Tu vas tout me raconter en détail. Inutile d'essayer de mentir parce que tu sais que je le verrai tout de suite, n'est-ce pas? Et tu n'as pas envie que je pète les plombs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non! Reculez, 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 monsieur dame. Voilà. Allez-y, vous pouvez l'embarquer, là. Voilà, comme ça, c'est bien. Ah, s'il vous plaît, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est sûr. Alors, on est prêt. Fred Brandon. Donne-moi un coup de main. Un voisin l'a trouvé ce matin. Il est mort depuis un bon bout de temps, on dirait. Et vu tout le sang qu'il y a, il a dû se payer une sacrée chute. Je parie qu'il en avait encore un coup dans le nez. Il a dû trébucher et s'est éclaté la tête là-dessus. Vous faites venir un expert médico-légal de Seattle? Ben, je ne vois pas très bien à quoi ça servirait. Eh bien, écarter tout soupçon. Qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves que ça a l'air louche, toi? À mon avis, c'est l'exemple type du violeur alcoolique qui paie pour ses péchés. Il y a toujours eu un côté biblique chez lui. Il paraît que vous vous êtes bien amusé à Seattle. Mes sources de renseignements sont infinies. Et c'est tout. J'abandonne, Annie. Je t'en supplie, il faut que tu laisses tomber les poursuites. Est-ce qu'il t'a menacé? Laisse tomber.
La question est de savoir si vous voulez quand même continuer dans cette voie toute seule. Ce sera sa parole contre la mienne, personne ne me croira. Mais nous pouvons supposer que ce qu'il a fait à Patty et à vous, il l'a fait à d'autres. Je pense qu'en attaquant publiquement, les langues pourraient se délier. Oui, et je pourrais très bien me faire tuer aussi. Bon, écoutez, je vais mettre cette affaire en veilleuse pour l'instant. Soyez prudente. D'accord, mais essayez. Elle avance pas du tout. Je sais, mais elle ne s'enfuit pas non plus. Vas-y, approche encore un peu. Doucement. Doucement, doucement. Elle va mordre. Non, elle mord pas. Elle a des dents. Oui, mais les vaches aussi, elles ne mordent pas. Tu te débrouilles très très bien, ma chérie. Vas-y. Vous êtes cinglé ou quoi? Vous auriez pu nous tuer! Dave! Oh, espèce d'ordure! Oh, Annie, voilà des façons devant votre fille. Vous donnez le mauvais exemple. Ça va, Sarah? Alors, je suis désolé de t'avoir fait peur. On chassait, c'est tout. On a des permis, vous savez. Sortez de ma propriété. Je trouve que Pete aurait dû vous le dire. Votre propriété est juste à côté d'un des meilleurs territoires de chasse du coin. On ne sait jamais, une balle perdue, ça arrive vite. Je te rapporterai un cuisseau, petite. Ne la tuez pas! Viens, ma puce. Oui, Annie. Engagez les poursuites. Vous êtes sûre? Oh oui. J'y perdrai ma maison, ma pension, tout ce qu'il faudra, mais il va payer. T'as noté le numéro? Ben, ils disent qu'il n'y a plus personne, là. Personne ne répond. C'est le numéro qu'ils m'ont donné, ça marche. Dave est occupé? Non. On a un sérieux problème. Quoi? Harcèlement sexuel? Cette petite allumeuse? Je la flanque dehors aujourd'hui. Hé, hey, attends une seconde. La loi fédérale t'interdit de la renvoyer sans raison. Le fait qu'elle t'attaque ne veut pas dire qu'elle fait mal son boulot. Donne-lui un congé administratif avec salaire, c'est le mieux que tu puisses faire. Que je la paie à se tourner les pouces? Hors de question. Si jamais tu la renvoies, ça ne fera que rendre la situation encore plus grave. Étant donné les circonstances, je suis persuadé que l'administration ne le prendra pas mal si tu la suspends en lui laissant sa paye. Tu as raison. Tu veux que je te dise? C'est rien, cette histoire. Aucun juge du coin ne voudra la croire. Mais je ne vais pas la renvoyer chez elle. Écoute. Elle aura tout fait pour se rendre la vie impossible, cette fille. Je veux que tu viennes avec moi. J'aimerais bien, ma puce, mais je ne peux pas pour l'instant. Je dois faire quelque chose de très important. Pour ton travail? Oui. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas, moi non plus. Mais parfois, on doit faire des choses qu'on n'aime pas parce qu'il le faut. Je t'adore. Je t'adore. Allez, sois sage. Promis. Allez, Sarah, en route. Ne t'inquiète pas pour elle. Je sais. Merci pour tout. Tu rigoles? 3 mois sans un jour de congé, il me devait bien ça. Je te laisse les clés. Et je veux que tu me promettes de venir t'installer ici. Ta maison est bien trop isolée. Entendu. J'irai prendre mes affaires et je reviendrai. D'accord. Tu m'appelles? Bien sûr. Bon. Sois prudente. Promis. Allez, à bientôt. Bonne route. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous, là. Patty, viens aussi.
Je ne peux pas prendre le risque d'être seul avec cette femme. Patty, tu m'as déjà vu toucher cette femme? Non. Tu m'as entendu utiliser des propos d'ordre sexuel en m'adressant à elle? Non. Où voulez-vous en venir? J'essaie seulement de vous montrer le genre de témoignage que vous allez entendre devant la cour, même venant de votre amie. Et moi qui vous prenais pour une jeune femme brillante et respectable. C'est ça votre problème. Vous n'avez jamais cru qu'une femme puisse être brillante ni respectable. Bonjour. 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 J'ai entendu parler de votre recours en justice et je trouve que vous avez beaucoup de courage. Mais ? Il n'y a pas de mais. J'admire ce que vous faites. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir prévenu pour la maison, je n'aurais jamais dû faire une chose pareille. J'ai du mal à me regarder dans la glace en ce moment. Ça se comprend. Oui. Voilà. Je tenais à vous le dire. C'est fait. Au revoir. Nous avons entendu parler de votre plainte pour harcèlement sexuel contre le shérif Ward. Pourquoi le FBI s'intéresse au harcèlement sexuel? Non, c'est vous qui nous intéressez. Nous menons une enquête sur le shérif Ward depuis 6 mois maintenant. Pour quelle raison? Trafic de drogue, contrebande. Apparemment, il n'y a pas une seule activité criminelle dans ce comté qu'il ne contrôle pas, soit directement, soit sous la forme de pots de vin. Le problème, c'est que nous n'avons aucune preuve formelle et personne pour nous aider à en trouver. On a failli avec Fred Brandon, mais on l'a retrouvé mort. Qu'est-ce que Fred Brandon pouvait apprendre sur Dave? Il était mêlé à ses opérations de contrebande. Ils étaient amis? Depuis longtemps. Et moi qui croyais qu'il avait frappé Brandon parce qu'il avait violé sa fille. Vous l'avez vu le frapper? Oui, et il a battu quelqu'un d'autre aussi. Un jeune garçon, Ronnie, je ne sais plus quoi, son nom est dans le rapport. Eh bien, Brandon ne peut plus témoigner, mais ce garçon-ci. À condition qu'il ne soit pas terrorisé comme tous les gens du comté. À part vous. Oui, je suis trop furieuse pour être terrorisée. Je vous dis ce qu'il nous faut, vous me dites si vous pouvez le trouver. On ne peut pas diriger une opération de cette taille sans avoir un endroit où stocker la contrebande. Nous pouvons obtenir un mandat de perquisition, mais nous ne savons pas du tout où chercher. Et si nous faisons erreur, ça lui donnera le temps de tout détruire. Vous pouvez nous aider à le localiser? Non. Non. Non, si jamais il me voit fouiner, il aura tout de suite des soupçons. Mais Patty le sait peut-être. Et sa secrétaire? Oui, je ne vous garantis rien parce qu'elle est terrorisée, mais je vais essayer. Nous apprécierions beaucoup. Je suis ravie que mon avocate vous ait contacté. Votre avocate? Madame Bradley? Non, nous avons épluché les comptes du shérif à la banque. C'est Pete d'une fille qui nous a dit de vous contacter. Est-ce que je peux entrer? Si jamais il nous surprend toutes les deux, le FBI a ses trousses. Oh mon Dieu. Ils ne sont pas du comté, ils ne sont pas de l'État, ils sont du FBI. Ils n'ont pas peur de lui, ils ne lui doivent rien, ils vont l'envoyer en prison. Il saura que j'ai parlé. Tu seras protégée. Patty, c'est ton unique chance de le quitter et de pouvoir recommencer ta vie. Tu ne seras plus terrorisée chaque fois qu'il franchira la porte.
déteste! Quelqu'un a vendu la mèche. Oui. Bonsoir, Annie. Je veux bien pendre la crémaillère. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tout vous accusera. Erreur. En ce moment même, je suis avec deux citoyens au-dessus de tout soupçon, qui seront prêts à en témoigner devant la cour. Si jamais vous avez l'intention de me violer, il faudra d'abord me tuer. Ah, il faut savoir ce qu'on veut. Je vous avais prévenu. Personne ne me dit jamais non. Patty a essayé. Et Fred Brandon. Et j'ai bousillé une lampe torche sur le crâne de cet abruti. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Tu vas me payer ça, toi, tu peux me croire. Mais enfin, tu n'oserais pas me tirer dessus. Je n'hésiterai pas une seconde. Et je croyais que tu m'aimais bien, pourtant. Tout le monde vous déteste, Dave. Vous n'êtes qu'un pauvre type, et vous le savez. Vous avez besoin de votre pouvoir pour avoir des femmes. Si vous faites un pas de plus, vous êtes mort. Sans blague. Quand est-ce que tu vas arrêter de me sous-estimer, hein? Tu es stupide de naissance ou ça fait partie de l'entraînement chez vous? C'est pas avec ça que tu pourras me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai élimé le percuteur, bien sûr. De l'arme que vous m'avez donnée? De cette arme-là. Si cette arme est celle que vous m'avez donnée, la première chose qu'il faut savoir au sujet des flics des villes, Dave, c'est qu'on a toujours une arme supplémentaire. C'est à mon père, celle-là. Tu bluffes. Peut-être que je bluffe. Et peut-être pas. Est-ce que tu as des tripes? Ton gros problème, c'est ton ego. J'étais persuadée que tu m'attaquerais tôt ou tard. Et j'étais persuadée que tu serais trop bavard. En ce qui concerne la mort de Fred Brandon, par exemple. Oui. Alors, qui a sous-estimé qui? Vous pouvez l'embarquer. Non! Tout va bien? Vous êtes en état d'arrestation. Annie, tu n'as rien? Ça va. Ça va. Vous croyez vraiment que les gens de mon comté vont oser me garder en prison? Peut-être pas, mais d'un autre côté, ils n'auront pas à prendre cette décision, Dave, car vous allez être jugé ailleurs. Allez, en route. Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? Pas cette fois. Pas avec un crime fédéral. Je suis libre? Oui, t'es libre. Mais demain, alors, pour qui on va travailler? N'en sais rien. Je suppose qu'il va falloir un nouveau shérif. Je devrais peut-être me présenter. Ça secouerait peut-être un peu les mentalités. Un peu, tu veux rire? Ça serait génial.